Et salut à tous mes poneys, ici Naïtarion et j'espère que vous allez bien. Vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une petite vidéo de clarification sur les mécaniques de jeu Donjons & Dragons 5ème édition. Comme toujours, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à venir vous pencher sur le financement participatif pour les années à venir. Vous commencez à le comprendre, mais on aimerait pouvoir proposer un média jeu de rôle ambitieux, donc rien ne peut avoir lieu sans votre confiance et votre aide sur Game on Tabletop. Je n'ai pas pour l'habitude de demander quoi que ce soit en temps normal, mais ici c'est exceptionnel et je ne compte pas lâcher tout simplement les projets que j'aimerais vous proposer à l'avenir. Je vous mets le lien en zone de description pour aller regarder tout ça à votre aise et nous lançons la vidéo de suite. Allez, c'est parti! Si vous avez joué ou si vous jouez à Donjons & Dragons 5ème édition, vous aurez rapidement rencontré un concept central au jeu qui s'appelle un modificateur de caractéristiques. Derrière ce nom technique assez barbare se cache en fait un concept assez intéressant en termes de design de jeu et qui permet en fait de mettre des statistiques sur la probabilité de hasard que nous connaissons au quotidien quand on fait quelque chose selon nos forces ou nos faiblesses. Dans Donjons & Dragons, votre personnage dispose de caractéristiques, force, dextérité, sagesse, intelligence, constitution, charisme. En fait, elles sont là pour déterminer les différents aspects techniques de votre personnage. À ces caractéristiques se greffent également ce qu'on appelle des modificateurs, des bonus ou des malus qui sont à côté des valeurs de votre caractéristique. Ces bonus et malus vont traduire la probabilité de réussir ou échouer une tâche que vous faites quand vous utilisez en fait ces fameuses caractéristiques en question. Si votre valeur est de 12 par exemple, elle sera traduite par un plus 1, ce qui explique pourquoi vous aurez 12 plus 1 décrit sur votre fiche. Prenons un exemple pour mieux encadrer cette explication. Vous avez deux personnes avec des dispositions très différentes, l'une est très forte et est née avec des dispositions physiques plus présentes que l'autre personne. En jeu de rôle, on traduirait ça par une valeur de caractéristique en force plus importante pour la première et mettons lui par exemple un montant de 14 alors que la deuxième a un montant de 8 pour symboliser ces deux aspects et cette différence. Maintenant, je vais vous poser une question très simple. Pensez-vous que dans notre vie, nous ayons et nous soyons toujours constants dans nos capacités? Vous est-il jamais arrivé de ne pas être à 100% de ces fameuses capacités ou de tout simplement rater quelque chose que vous avez l'habitude de faire malgré toutes les habitudes ou les entraînements que vous auriez eu à ce propos? Eh bien, en fait, en jeu de rôle, c'est là que rentrent les fameux modificateurs. Parfois, la personne avec une force de 14 aura du mal à soulever une table alors que la personne avec une force de 8 le fera sans le moindre effort. Pourquoi? Eh bien, imaginez-vous qu'on ait lancé les dés pour déterminer s'il lève la table ou la même table grâce au fait qu'en temps normal, ce genre d'effort ne lui demande rien, mais cette fois-là, la personne avec plus de force, ça n'allait pas du tout. Il a mal évalué le poids ou la taille et il faudra plusieurs essais pour le faire. Vous devez vous imaginer qu'on a lancé son dé et que malgré sa prédisposition ou propension à réussir cette tâche en temps normal, cette fois-là, ça n'a pas été. Le lancer de dé a donné par exemple un petit résultat qui, malgré le modificateur, a fait que la table n'a pas bougé. Alors que le personnage avec la force de 8, malgré ses dispositions moins présentes, qui avait moins de chances à la soulever facilement, eh bien, il a réussi à capter le mouvement le plus efficace pour répartir le poids sur ses épaules, et donc faire son lancer de dé lui a permis de réussir malgré son malus en force. Le modificateur, c'est la propension à réussir ou rater une tâche en fonction de vos caractéristiques dans le hasard de la vie, et en termes de design de jeu, c'est une des méthodes mathématiques trouvées par les designers pour encadrer cette donnée incontrôlable et pourtant, hyper excitante d'un jeu qu'on appelle le hasard. J'espère que cette petite clarification vous aura aidé à mieux comprendre l'utilisation et la méthodologie proposée par la présence des modificateurs dans Donjons & Dragons. Avant de se retrouver à la prochaine vidéo, n'oubliez pas d'aller voir le crowdfunding pour soutenir les projets à venir. En attendant, moi je vous dis à la prochaine fois et bon jeu à tous. Des tranches créatures, des monstres de terre, aux ordres de...